Bon, alors ce matin, nous allons faire des petites galettes aux flocons d'avoine. Rapides et délicieux. Bon, pour cela, il me faut 200 g de flocons d'avoine que je verse dans mon saladier, que je vais mélanger avec ma farine, 150 g de farine. Voilà. Un sachet de sucre vanillé. Un sachet. Je vais mélanger d'abord tous les ingrédients secs. Ma levure, l'équivalent d'une cuillère à soupe à peine, une cuillère à café à peine, pardon. Voilà, je mélange un petit peu. Je vais incorporer 50 g de beurre à température. Mes deux œufs. Voilà. Mon sucre, 50 g de sucre. Une petite pincée de sel. Un petit peu de fleurs d'oranger. J'en mets voilà, une dizaine de gouttes. Et je remue avec les mains. Donc voilà, ma pâte est terminée. J'ai huilé mon lèche-frites et je vais déposer des petites boulettes de pâte, alors que je confectionne comme je veux, en rond, je les aplatis un petit peu et je vais ensuite les mettre au four. Voilà, je les dépose sur mon lèche-frites et j'en fais comme ça au moins, wow, avec la pâte vous pouvez en faire l'équivalent d'une vingtaine. Voilà, donc elle est au travail et après au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Vous pouvez en faire des plus ou moins grosses en fonction des appétits. Voilà, donc j'ai confectionné mes petites galettes aux flocons d'avoine. Bon, j'ai disposé pour la déco un petit cranberry sur chacun. Puis j'ai fait des petits bonshommes là. Ça, s'il y a des enfants, ça peut être ludique. Voilà, et au four.